Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Octolink sur Mario Kart Tour. Alors oui, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas refait de vidéo sur Mario Kart Tour. Ça fait, je sais pas trop, mais très longtemps. Je crois que ça date, la dernière fois, c'était l'épisode où j'avais... c'était un pack opening avec Mario Pisto, si je dis pas de bêtises. Et donc bah voilà, j'ai refait une vidéo aujourd'hui. Alors pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Alors d'abord, je vais juste expliquer ce qu'on va faire dans cette vidéo, même si vous avez vu le titre, etc. Mais je vais quand même expliquer, et ensuite je passerai un peu dans les détails. En fait, donc là, je me suis remis à Mario Kart Tour, en fait, il n'y a pas très très longtemps. Et du coup, bah, je me suis mis à farm les rubis. Comme vous pouvez le voir, j'en ai 500 là, en haut à droite. Et je jouais, et j'attendais justement qu'il y ait cette saison, là, puisqu'il y a un personnage que je veux particulièrement. Donc on la voit ici, mais je sais pas si je peux vous la montrer, ouais, là. C'est Peach en Yukata, si je dis pas de bêtises, que je veux absolument. C'est un personnage trop stylé, et voilà, je la veux. Et du coup, je me disais, ah, j'espère qu'ils vont remettre la coupe ninja un jour, le plus vite possible et tout, puis là, ils l'ont mise. Donc voilà, c'est juste incroyable. Donc voilà, dans cette vidéo, ça va être, donc il y aura pas de course, ou peut-être une vite fait pour montrer le personnage, si je l'ai. Et puis sinon, sinon ce sera juste un pack opening, mais ça peut être très intéressant parce que j'ai 500 gemmes, enfin 500 rubis. Alors on va pas tous les utiliser forcément aujourd'hui, on verra bien, mais on va en utiliser. Même si je pack le personnage très vite, on dépensera quand même un petit peu, histoire de faire durer un peu le truc. Sinon regardez, j'ai fait, genre je me suis embêté à faire ces défis là pour avoir 45 rubis en plus et tout. Bon c'était pas très long, à part celui-là. Qui était un peu plus long que les autres, effectivement, mais... Sinon, globalement, ça allait. Et donc, oui, je fais des vidéos sur Mario Kart Tour maintenant, puisque... Alors, je crois que je vous l'ai pas dit, parce que ça fait très longtemps qu'on s'est pas parlé, nous. Puisqu'en ce moment, il y a le Let's Play de Skyward Sword HD, et qu'il y a un truc que j'ai tourné il y a très très longtemps, c'était en l'été 2021, pour vous dire. Et donc, voilà, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos un peu plus actuelles, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé, tout ça. Vous inquiétez pas, je vais vous raconter. Mais c'est vrai que... Enfin, je crois que je vous l'ai pas dit, d'ailleurs. Mais j'ai changé de téléphone en fait entre temps. Et donc ça fait que bah, maintenant j'ai un téléphone relativement performant qui me permet justement de jouer à Mario Kart Tour correctement et à d'autres jeux mobiles d'ailleurs. Parce que si vous vous souvenez de mes anciennes vidéos sur Mario Kart Tour, c'est assez catastrophique, ça lag et tout, enfin une horreur. Alors que maintenant ça ne lag plus. Donc voilà, c'est très agréable. C'est pour ça que je vous dis peut-être qu'on fera une course histoire de. histoire de savourer un peu la beauté de ce jeu. Bref, alors. On va commencer le pack opening, je stresse un peu, je vous avoue, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais faire des 45 tours, à chaque fois, enfin 45 tirs à chaque fois. Et en attendant, puisque j'imagine qu'il n'y aura pas des trucs de ouf à chaque fois, je vais vous raconter ce qu'il s'est passé. Puisque, alors, vous n'êtes pas sans savoir que vous pouvez utiliser des rubis pour accéder à ce tuyau. Reste 98 sur 100. D'accord, ok, je crois que c'est la première fois que je vois cet écran. Ils ont dû le rajouter un jour, bref. Donc... Il s'est passé des choses dans ma vie. Oui, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a... Oh, tuyau en or. Ah non, mais si, c'est obligé que ce soit tuyau en or avec les 45 tours, je crois, non? Bon, bref, on verra. Il s'est passé quelque chose, parce que, voilà, vous n'êtes pas sans savoir que, normalement, il devait y avoir un let's play sur Animal Crossing New Horizon, qui, à l'heure actuelle, n'est toujours pas sorti, et Wendy, qui est nouvelle, ça c'est cool. Eh bien, c'est parce que... Alors, il y a plusieurs trucs. Déjà, j'avoue que le jeu Animal Crossing, il m'a un peu lassé actuellement, voilà, j'avoue que c'était un peu compliqué, donc j'étais pas vraiment très très motivé pour y jouer. Mais c'est pas le plus gros souci, en fait le truc c'est que... Enfin, ouais, si, déjà c'est un jeu qui est assez compliqué à faire en let's play comme moi je le fais, parce qu'il faut être là souvent, etc. et que ben, je peux pas tourner souvent, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, et puis quand bien même, il s'est passé un truc avec ma Switch. C'est que les données de certains jeux de ma Switch ont été corrompues, dont Animal Crossing. Et donc actuellement, je ne peux plus jouer. Qu'est-ce que ça va être, attendez. Oh ! Ah non, mais... Attendez, je prends un screen. Non, mais c'est quoi, cette blague ? C'est quoi, cette blague ? Non, mais... Peach Yukata, non, mais... Non, mais MDR... Attendez, j'ai marqué un message sur le D2E. Venez avec moi, tiens. Venez, je vous emmène. Là. Hop. Vous voyez mes magnifiques photos. Voilà.
Je vais poster ça, non mais quelle blague à me dire. Bon, en attendant que ça charge, je vais vous raconter mon histoire. Parce que du coup, voilà, le pack opening il est terminé. Hein. Non, je rigole, on va continuer un peu, mais c'est quoi cette blague, mon dieu. Oh, bref. Oui, donc, certains jeux de ma Switch ont été corrompus, dont Animal Crossing, et donc je ne peux plus jouer actuellement. Bref, donc voilà. C'est vrai que c'est un peu relou, je vous avoue. Voilà, je crois que c'est sûrement un problème de carte SD. Enfin, vrai, vraiment, vraiment relou. J'ai marqué, n'hésitez pas à dire bonjour pour la vidéo. D'ailleurs, si ça se trouve, personne ne va dire bonjour. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Non mais Peach Yukata first try, non mais ça me termine. C'est quoi cette grosse blague? Non mais. Oh mon dieu. Je suis trop content. Mais elle est trop stylée, hein, regardez. Regardez-moi ça. Elle est vraiment trop stylée. C'est trop bien. Et donc elle, elle a le pouvoir de la giga bobombe. Qui dit bobombe géant dit explosion du même calibre. Soufflez vos adversaires, n'est-ce pas? Eh bien, vous inquiétez pas, on soufflera nos adversaires. Donc ouais, ça fait que voilà, Animal Crossing, pour l'instant je peux pas y jouer, donc ça me motive encore moins à sortir les vidéos, puisque j'ai tourné 3 épisodes je crois, actuellement. Et donc voilà. Voilà voilà, bref, c'est un peu ça. Mais vous savez que j'ai plein de trucs à sortir. J'ai une vidéo à Among Us avec le retour de Eggy Girl qui. Voilà, qui doit sortir un jour. J'ai un let's play presque complet sur Hello Neighbor avec un en feat avec quelqu'un, invité mystère, qui doit arriver. J'ai une vidéo sur FF7 The First Soldier qui va arriver, peut-être du Genshin Impact à un moment, enfin... J'ai des trucs, franchement, mais bon, bah, en fait, moi, enfin, vous le savez peut-être, mais j'ai envie de faire les choses dans l'ordre, donc là, Zelda en ce moment, puis ensuite, ceci, cela, bref, bon. Zelda, c'est bientôt terminé, je vous assure, c'est bientôt terminé, c'est juste que là, les vidéos vont mettre peut-être un peu plus de temps à sortir, parce qu'il faut que je fasse les minias. Et que... voilà, Evoli qui dit bonjour. Peut-être qu'elles vont mettre un peu plus de temps à sortir parce qu'il faut que je fasse les minias, tout ça. Donc, voilà, c'est vrai que j'ai un petit peu la flemme. Bref, revenons au jeu. Non mais c'est une grosse blague. Oh, je suis trop content. Bon bah on va continuer, on va refaire 10 tours. Je sais pas comment on va en faire du coup. Peut-être 4. Ça me paraît pas trop mal. Bon, du coup, là, le tuyau n'est pas en or, donc non, ce n'est pas obligé d'avoir un tuyau en or. On a Lemmy, qui est pas ouf, bébé Daisy. Bon, du coup, on va faire une course, hein, quand même. Bon, ce serait une petite vidéo, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide, hein, je vous avoue. Encore bébé Daisy, Mascas, Roy, bébé Harmony. Bah, y a pas de suspense, hein. Lemmy. Alors encore ces trucs au bar, que du gris, hein. Vraiment tout pourri, mais bon, en même temps on est Peach Yukata, que demander de plus? Ah, un tuyau en or. J'ai vu des screens de tuyaux sur Mario Kart, c'est incroyable, avec genre des gens, ils ont 3 ultra rares et tout, enfin, incroyable. Lemmy, encore. Oh, nouveau origami grue printanière. Vraiment très joli, très sympa. Wendy, le retour. Mascas, le retour. Le carte enfant rouge. Qui est marrant, mais bon, voilà. Bébé Luigi, que j'avais déjà, il me disait rien, mais d'accord, ok, apparemment je l'ai. Oh non, c'est... Champi, je sais pas quoi là. Absolue. Bébé Harmony. Oh, nouveau. El Ruban Yukata. C'est sympa, ça. Ok. Bon, on va en refaire un. Je ne sais pas. Je sais pas combien je vais en faire. Peut-être qu'on en fait encore deux, là, et puis... On s'arrêtera là. Oh, un tuyau en or, encore. Sympathique. Parce que, bon, en vrai, faut bien que je les dépense un jour, mes rubis, là. En plus, la prochaine coupe, c'est la coupe Yoshi, donc ça m'intéresse. Pas des masses, hein, je vous avoue. Je pense que les tuyaux à la une ne vont pas me plaire beaucoup. On a que des planeurs, c'est une blague. Donc, elle étoile, très jolie. Vraiment. Nouveau, El Wario. C'est cool, c'est nouveau. Oh, Araneid. Très sympa, j'aime bien. Ça, j'aime moins.
Allez, encore un personnage ultra rare, s'il vous plaît. Oh, là qui tue. Ah, mais qui est pas nouveau. Ok, je m'inquiète pour rien. Yoshi rouge, qui pareil, n'est pas nouveau. La Koopa mobile, qui elle est nouvelle. Et bon, allez, on en fait un dernier, histoire de dire... Oh, j'espère qu'il sera en or, s'il vous plaît, pour le dernier. Oh non, c'est trop triste, c'est une tristesse. Bon, elle gouttelette, parachute, le fameux, Koopa bolide, mascasse, champ mignon, Peach, que j'avais déjà, ok, champ mignon encore, Toad, stand, que je n'avais pas, bébé Daisy, Ludwig, et voilà, c'est tout. Bon, allez, venez, on en fait un dernier. Un dernier. Un dernier, je le retente. Et voilà, c'est terminé. Oh, il est en or, voilà. Allez, on s'arrête là, c'est très bien. Je n'en demande pas plus. Peu importe ce qu'on aura. Donc, on a El Piston. Toadette. Que j'avais déjà, mais qui est level up. Ça, c'est cool. Les personnages qui level up, c'est bien quand même. La Chip Mobile. Le Cartocumulus. Que j'avais déjà apparemment. Luigi qui level up. El Champi qui est nouveau apparemment. Oh, Turbo Tuk Tuk Rose. EB Parasol en papier qui est nouveau. Lectoblast 4000 qui est vraiment stylé. Le Turbo Ruban. Bon voilà. On n'a rien de ouf, c'est dommage, on n'a rien de ouf en vrai, je me plains, enfin, j'ai eu ce que je voulais, hein, techniquement. Techniquement c'est déjà pas trop mal, donc on va peut-être tenter cette course du coup. Ouais, ça peut être pas mal, on va la tenter du coup. Oh, elle est vraiment trop stylée, j'aime trop. On va voir un peu si je me débrouille bien sur cette coupe. D'ailleurs vous avez vu, je suis premier, voilà, je me la pète pas du tout. Bon, j'espère que je vais pas faire n'importe quoi parce que vous êtes là, vous me regardez, ça me stresse. Non mais je pense que je vais pas faire un score de malade parce que même si c'est des équipements qui sont assez haut level, bah, oh, la grosse bombe, waouh. Même si les équipements sont assez haut niveau, bah, ils sont pas du tout améliorés quoi. Donc ils seront pas ouf non plus. Enfin bref, je sais pas, on verra. On verra. Et sinon, n'hésitez pas à me dire si vous voulez, parce qu'il n'y aura pas de nouveau pack opening tout de suite, hein, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait que je refasse des vidéos Mario Kart Tour classique. Regardez, vous avez vu la fluidité du machin quand même. N'est-ce pas? Okay. N'est-ce pas merveilleux tout ça? Donc voilà, moi en tout cas ça me plaît, Mario Kart Tour, j'y joue bah, pour le fun, je vous avoue. Donc ça me dérangerait pas de le faire en vidéo en plus. Hop. Et sinon, merci, bah, je le dis maintenant parce que voilà, mais je sais pas si on aura l'occasion de se reparler d'ici là. Mais merci pour les 80. On a dépassé la barre des 90 abonnés, donc voilà, merci. C'est vraiment ouf. Mais bon, de toute façon, on en reparlera évidemment dans le bilan que je fais chaque année. Peut-être même qu'on aura dépassé les 95, peut-être d'ici là, je ne sais pas. Bon, ok, j'ai de l'espoir, mais. J'ai de l'espoir vivre, comme on dit. Hop. J'espère au moins que je terminerai premier. Parce que... C'est abusé, sinon. En vrai, je suis déjà à 6400. C'est pas trop mal. Hein. On va voir. Alors. Ah ouais, si. Si. Ok, bon, on a dépassé du coup notre record. Je vais voir à combien je suis en points là pour la coupe. Oh, évidemment, tout le monde level up. C'est magnifique, c'est satisfaisant. Ouais, oui, voilà, ça je voulais dire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse du coup des vidéos de Mario Kart Tour et est-ce que ça vous plairait de voir le mode online. Je me dis, ça peut être pas mal. J'y ai pas trop joué, donc il y a plein de défis à faire. Donc voilà, ce serait l'occasion. Oui, merci. Les pièces, et du coup je suis premier avec 27 960.
Et bah écoutez, c'est plutôt cool. Je vais m'arrêter là, je pense, pour cette vidéo. Donc voilà, c'est une petite vidéo assez courte, mais en même temps, bah... mais en même temps, bah voilà. Oh, mais du coup, je suis bête, j'ai spoilé les gens sur le DVD. Du coup, que je puisse tuer Kata. Bon, en vrai, c'est pas un gros spoil, parce que... bah, ça arrive dès le début. Donc bon. Et puis, c'est tellement improbable. Hein, ouais. On va s'arrêter là. Merci de regarder la vidéo. C'était Octolink, et à la semaine prochaine.